Aujourd'hui, communauté, je vous présente François qui fait un show qui s'appelle Un peu de tech disponible sur YouTube, dans lequel il va parler à tous les matins, 6h30, heure de France, et c'est minuit 30, donc heure du matin ou de la nuit ici au Québec, où il va parler des nouvelles de la technologie, et ce, avec un côté très positif. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je lui ai lancé le défi 60 secondes rétrospective de l'année 2016 techno. Voici François, un peu de tech. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est François de la chaîne Un peu de Tech et on est parti pour 60 secondes de bonheur. Alors, on y va, c'est parti, 60 secondes. Qu'est-ce qui a été pour toi la pire actu tech de 2016? Bon, il n'y a pas d'hésitation, le nouveau MacBook Pro avec la Touch Bar. Voilà, bon, ça se passe de commentaires, cette chose, c'est vraiment la pire actu de 2016, quoi. Qu'est-ce qui a été ta plus grande surprise? Le PC Shadow. Enfin, c'est pas un PC, c'est, enfin si c'est un PC, mais chez vous, vous n'avez qu'une petite boîte et vous avez accès à un PC qui est dans des serveurs. Et ce PC est mis à jour régulièrement et c'est pour jouer, c'est génial. Enfin voilà, c'est allez voir, Shadow quoi, ça défonce. Mac ou PC? Bah Mac pour bosser et le Shadow pour le PC quoi. Du coup, maintenant j'ai les deux, c'est cool. L'objet connecté de l'année? Bah je vais pas être trop objectif, je vais vous dire ma Fitbit Blaze parce qu'elle m'a aidé à perdre 10 kilos et rien que pour ça, moi je l'aime bien. La plus grande réussite de 2016. L'atterrissage en mer de la fusée Falcon 9 de chez SpaceX. Ça, c'est une réussite, c'est une très grande réussite. Voilà. Alors, communauté, si vous avez apprécié la rétrospective 2016 technologie de François, ben, je vous invite à aller vous abonner sur sa chaîne YouTube Un peu de tech. Le lien va être disponible dans la barre de description juste en dessous. Sinon, vous pouvez cliquer en quelque part ici si vous êtes sur un ordinateur. Sinon, je vous invite également à aller voir les autres rétrospectives de l'année 2016, défi 60 secondes. Bien entendu, les liens sont dans la barre de description également. Ou sinon, vous pouvez cliquer quelque part sur l'écran. Ça va être là. Sur ce, communauté, moi, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Always with love. Bye-bye.